Bonjour Grethry, comment ça va? Nous allons continuer unité 7. We will continue today unit 7. Leçon 2, page 129, les métiers. Page 129, les métiers. Jobs or professions. I want you to repeat after me. Alors, répétez après moi. Le médecin. Le médecin. The doctor. I want you also to write the meaning in English with me. Le dentiste. The dentist. Le dentiste. Répétez. Le dentiste. Le vétérinaire. The vet. Le vétérinaire. The vet. Le comptable. And I don't want you to pronounce the M. Le comptable. It means the accountant. The M and P are silent. Le comptable. You would put a dot under the M and under the P. And write the meaning in English. The accountant. Le cuisinier. The chef. Le cuisinier. Répétez. Le cuisinier. The chef. L'ingénieur, the engineer. L'ingénieur, the engineer. L'ingénieur, répétez. La fleuriste, the florist. La fleuriste. La fleuriste. Le coiffeur, the hairdresser. Le coiffeur. And remember here how we pronounce O and E. We pronounce it wa. Le coiffeur. So let's repeat all of them. Le médecin. Le dentiste. Le vétérinaire. Le comptable. Le cuisinier. L'ingénieur. La fleuriste. Le coiffeur. Now let's solve the exercises. Qui est-ce? Who is this? C'est l'ingénieur. Bravo! Et qui est-ce? C'est le médecin. Qui est-ce? C'est le vétérinaire. Relié. Match the picture to the word. Ça, c'est le cuisinier. The cook. Et finalement, le comptable. The accountant. Alors, choisissez la bonne réponse. Choose the correct answer. C'est le coiffeur. Très bien. Et ça, c'est le comptable, bravo. La fleuriste, excellente. Le dentiste. Le cuisinier, bravo. Le vétérinaire. L'ingénieur. Le médecin. Bravo, Grethry, vous êtes toutes et tous excellents. Maintenant, mettez en ordre pour obtenir la bonne réponse. Fleuriste, ingénieur, cuisinier, médecin, vétérinaire, dentiste. Au revoir et à bientôt.